se calmer. Tu vois ce que tu as là-bas, je vais voir si tu peux compléter. Puis tu as pris ton vol pour venir. Voilà, tu prends ton vol pour venir. Donc il n'y a pas de problème. Quand ça se calmer là, c'est un Togolais ici là. Lui, il a papier. Seulement que, comme actuellement, ils disent que c'est pas un problème de papier là. Lui, il a papier. Donc lui, il pourra faire mes courses. Quand ça, actuellement, lui-même, il sort pas. Lui, il est à côté de moi, il est en face de moi. Il ne le voit même pas dehors. Donc quand ça s'est calmé, quand ils vont nous donner liberté, quand ça s'est calmé là, il va lui dire. Il peut aller acheter. D'accord, merci. Ah, ça s'est calmé, elle me renseigne, c'est ce qu'ils vont dire. Sinon, vraiment, si on reste ici, ils vont nous tuer un matin. Parce qu'ils ont commencé, ils vont nous égorger un matin, mais. Les gens ont commencé à mourir déjà. Là-bas, plein d'hommes. On les a fermés dans une grande maison. Ce jour-là, mais c'est Dieu qui m'a sauvé. Dès que j'ai quitté au marché net, hein, mes affaires nettes, alors le marché a entendu le bruit des fusils partout. Et ils sont rentrés dans le marché. C'est comme ça qu'ils ont surpris les gens. Ils sont rentrés dans le marché. Commencé à ramasser les gens, Ils ont surpris les Maliens. La paix, c'est lui qui sont beaucoup ici. Hein, les grands magasins. Ils ont pris tous les Maliens. Ils étaient dans leur boutique. Ils sont versés, c'est pas là-bas, ils sont en train de mourir. Ceux même qui ont l'argent même, ils sont en train de mourir là-bas. Donc là, c'est ça. Là, ça s'est calmé. Il faut qu'on sorte ici, sinon c'est pas à faire. Merci. Il n'y a plus l'argent. La méchanceté là, c'est ce qui a fait que Dieu a tout bloqué devant eux. Parce qu'on dit que c'est comme ça qu'ils ont fatigué les gens qui étaient venus au moment où il y avait l'argent. Parce qu'ils ont fatigué les gens avant, là, où il y avait l'argent, mais souvent les produits n'étaient pas encore ici. Quand ils écorgeaient les gens, ils arrachaient l'argent aux gens, les frappaient, les maltraitaient. Tu travailles juste par mois. Venir pour et puis il casse ta maison, il rentre, il t'arrache tout l'argent. C'est la punition de Dieu qui continue sur le contrat. Sinon, ils avaient l'argent, mais actuellement, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien. Tout est dur. Il n'y a plus rien ici. Non, et ils se disent que c'est les étrangers qui sont venus ramasser le reste. Donc là, ils vont les maltraiter, les arracher tout. Les tuer, tuer, mais ils vont partir. Là, comme ça, les richesses vont arriver. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Laura, photo, il t'a envoyé là. Tu as balancé. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a envoyé vocal ici. La personne dit que tu n'as pas effacé mon nom. Mon nom est écrit dessus. Donc, pardon, il faut effacer. Pourquoi ils vont voir, ils vont venir me faire du mal. Il faut effacer. À tous ceux que tu as envoyé, il faut leur dire d'effacer. Pardon. Ouais, j'ai retiré la publication. J'ai retiré. Parce qu'ils sont en train de. Ils sont en train de regarder. Quand on t'attrape là, on regarde dans ton portable pour fouiller. Doit y aller à nous faire briller mon bébé. Ton. Oui, il y en a clair. Ok, il n'y a pas de problème. C'est qu'elle suit. Nos amis qui sont sur internet, ils font les débats là. Voilà, ils sont au courant, d'autres vont commencer à parler de ça, mais ils vont pas dire ton nom quoi. Voilà, ils vont dire un peu ce qui se passe en Guinée équatoriale, ce qu'on fait aux étrangers là-bas. Même moi, j'avais vu ça sur Facebook hier, c'est pourquoi j'ai tenté de t'appeler. Sinon, les gens sont là balancés actuellement. Tout ce qui se passe là, les gens balancent. C'est pas toi seul. Voilà. Mais néanmoins, j'ai effacé quoi. Voilà. Mais c'est Didier, il m'a appelé pour me dire, je lui ai dit, mais au lieu de t'appeler pour te dire là, pourquoi il ne m'appelle pas directement, il a mon numéro. On a mis sur Facebook. S'il lui voit quelque chose que j'ai publié là, je veux que les gens soient au courant pour que les gens arrêtent là-bas. Lui, il t'appelle directement pour te dire, au lieu de m'appeler. Bon, je lui ai dit, je ne suis pas content de parler, mais puis il est coupé. Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. S'il vous plaît, ceux qui ont les photos,
les gens qu'ils ont attrapés, s'il vous plaît, effacez les photos. Effacez les photos parce que ça peut engranger, ça peut causer d'autres problèmes encore qu'on ne pourra pas gérer. Donc, pour éviter tout problème, effacez les photos. Si tu les as, si tu les as, s'il te plaît, efface-les. Efface les photos. Pour ne pas envoyer encore d'autres problèmes qu'on ne pourra pas maîtriser ou gérer. Bonne journée à tous. Voilà. Ma vraie, oui, il est clair. Là, si le président peut faire, le gouvernement peut faire quelque chose. Il a opéré deux jours. Je vais vous dire que 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 je